Chers membres et responsables de conseils d'élèves, mesdames, messieurs, merci à vous d'être présents et présentes aujourd'hui. Je salue également M. Pierre Ried, directeur général des élections, qui se joint à moi pour cet événement bien spécial. Je suis très heureux de participer au dévoilement des gagnants des prix Vox Populi 2022. Je joins ma voix à celle de M. François Paradis, président de l'Assemblée nationale, pour vous dévoiler les 12 lauréats. Je suis heureux de prendre part à nouveau à la remise annuelle des prix Vox Populi. Il s'agit d'un événement important qui récompense l'engagement et le travail des conseils d'élèves qui font une différence dans leur milieu. Avant de vous annoncer quels conseils d'élèves recevront les prix, j'aimerais féliciter l'ensemble des élèves et des responsables qui s'impliquent dans les conseils d'élèves au Québec. Que ce soit par la promotion des valeurs démocratiques, par l'innovation des modes de fonctionnement ou par la réalisation de projets mobilisateurs, les conseils d'élèves récompensés aujourd'hui ont su se démarquer durant la dernière année. Quotidiennement, vous faites vivre la démocratie au sein de votre école. Vous représentez la voix de vos camarades et vous portez leurs idées. Vous pouvez donc influencer les décisions qui sont prises dans votre milieu scolaire. C'est exactement comme cela que fonctionne une société démocratique. Le programme Vox Populi, ta démocratie à l'école, décerne des bourses à des conseils d'élèves qui se sont distingués par leurs efforts. Le programme remet 9 000 en bourse à 12 conseils d'élèves lauréats. Ces bourses sont octroyées aux conseils d'élèves qui concrétisent leur volonté d'instaurer une culture démocratique au sein de leur école. Par ces bourses, le programme souligne la contribution significative de ces conseils d'élèves à rendre meilleur leur milieu de vie respectif. Vos actions démontrent que la démocratie ne se limite pas à l'exercice du droit de vote. Elle se vit partout, touche plusieurs sujets dans tous les milieux. En vous impliquant dans un conseil d'élèves, vous contribuez à la garder vivante et à la faire rayonner dans votre école. Je tiens donc à vous féliciter pour votre engagement. Vous êtes un exemple pour tous les jeunes du Québec et j'ajouterai même pour tous les adultes. Avec les prix Vox Populi, nous souhaitons encourager les conseils d'élèves qui se sont démarqués. Toutefois, sachez que le simple fait de former un conseil est une pratique gagnante pour la démocratie en milieu scolaire. Je tiens donc à féliciter tous les conseils lauréats en mon nom personnel et également au nom de mes 124 collègues députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Voici donc, sans plus attendre, les conseils gagnants des prix Vox Populi 2022. Le conseil d'élèves de l'école primaire Marie-Anne de Raden se mérite un prix Vox Populi pour sa promotion des valeurs démocratiques. En effet, les membres du conseil se sont distingués cette année par leur altruisme et leur engagement envers les autres élèves de l'école. Ils ont toujours bien suivi les choix de leur père, et ce, même si ce n'était pas toujours leur premier choix, à eux. Ils ont discuté, échangé et fait des propositions avec l'intention de toujours choisir le meilleur pour l'ensemble des élèves de l'école. École Marie-Anne, bravo! Le conseil d'élèves des écoles primaires du Curé-Lequin et Saint-Jude de Longueuil ont vécu une année productive qui leur mérite un prix Vox Populi. Cette année, le conseil d'élèves a augmenté de manière significative son rayonnement au sein de l'école et a proposé une diversité d'activités mobilisatrices. Le conseil, qui en est à sa troisième édition, réussit à inspirer les autres élèves, y compris les élèves en difficulté à qui il permet de vivre des succès et de prendre leur place dans l'école. Bravo pour ce bel exemple! L'école primaire Saint-Joseph de Longueuil voit son conseil d'élèves obtenir un prix Vox Populi grâce à la grande implication et à la motivation de ses 13 membres. Ces derniers ont eu un impact majeur positif sur l'amélioration du climat de l'école et sur le sentiment d'appartenance de tous les élèves. Par ses actions tout au long de l'année, le conseil a su incarner et faire rayonner l'une des valeurs démocratiques les plus difficiles à maintenir, l'engagement. Félicitations pour votre persévérance. Le conseil d'élèves de l'école primaire Alberno d'Alma se mérite un prix Vox Populi grâce au projet du Journal d'Albert. Toutes les deux semaines, les membres du conseil annonçaient au Multivox les événements spéciaux vécus dans les familles et dans les classes, tant sur le volet sportif et culturel que sur le plan scolaire,
comme par exemple les remises des certificats de fin d'étape. On peut dire que le conseil d'élèves a aidé à maintenir une cohésion au sein de l'école et un climat positif avec ce projet. Le conseil d'élèves de l'école primaire Sacré-Cœur de Coaticook remporte un prix Vox Populi, car en continuité avec le conseil 2020-2021, les membres de cette année ont poursuivi et mené à terme le projet du nouveau logo de l'école. Un graphiste a d'abord travaillé à partir des idées des élèves. Quant au choix final, il s'est fait par vote de toute la communauté scolaire. Difficile d'avoir une démarche plus démocratique. Aujourd'hui, les élèves arborent ce nouveau logo dès qu'ils en ont l'occasion. L'école primaire alternative des Trois-Sources de Châteauguay, qui a vécu cette année son premier événement électoral, reçoit un prix Vox Populi. Les responsables et la direction ont mis en place les premières élections de représentants de classe. Par la suite, ce sont les nouveaux élèves élus qui ont proposé et défini eux-mêmes les rôles des ministres et des ministères. Il y a ensuite eu de nouvelles élections pour chacun de ces postes. Le conseil étudiant s'est vraiment engagé pour relever plusieurs défis et chaque élève élu s'est dépassé. Le conseil d'élèves de l'école primaire et secondaire Fréchette de Lens-Saint-Jean se mérite un prix Vox Populi. Axé depuis plusieurs années sur la réalisation d'activités ludiques, le nouveau gouvernement étudiant a réinventé la roue pour revoir et redéfinir l'ensemble des rôles et des tâches de chacun des membres. Ces nouvelles bases ont permis aux 8 ministres de s'impliquer là où il y a des décisions à prendre. Ainsi, un nouvel espace commun répondant mieux aux besoins des élèves a vu le jour. Conseil d'élèves de l'école secondaire Antoine Bernard de Carleton-sur-Mer se voit octroyer un prix Vox Populi. Les membres du conseil d'élèves de cette école méritent ce prix grâce à leur belle résilience et leur innovation, démontrée dans des projets qui ont contribué à dynamiser la vie scolaire. La diversité culturelle, celle des corps ou la diversité sexuelle ont été parmi les thèmes des campagnes de sensibilisation qu'ils ont menées tout au long de l'année. Quel bel appel à l'ouverture à la diversité auprès de tous! Conseil de l'école secondaire internationale Lucille Tisdale de Brossard mérite un prix Vox Populi qui souligne leur pouce vert. Voulant laisser sa trace à long terme dans son environnement, le conseil s'est investi dans un projet d'embellissement de l'école. Ils ont mobilisé les élèves et le personnel dans un grand programme de bouturage et de verdissement de leur environnement scolaire. Maintenant, les plantes embellissent les classes et donnent de l'air pur. Santé! Le Collège citoyen de Laval reçoit un prix Vox Populi, car les membres de son conseil ont relevé leurs manches pour s'attaquer à un projet d'envergure, soit la revitalisation du système pour favoriser les comportements positifs des élèves. Ils ont réussi à impliquer tous les acteurs de leur école pour revamper ce système déjà existant. En plus, le conseil s'est doté au cours de l'année d'une nouvelle structure, pavant la voie à l'implantation d'une nouvelle culture démocratique au collège. Vraiment, la démocratie a un bel avenir au Collège citoyen. Le conseil d'élèves de la polyvalente Deux Montagnes remporte un prix Vox Populi pour la mise sur pied d'un comité cause sociale bien actif. Ils ont, entre autres, organisé une campagne de financement pour soutenir l'Ukraine avec la vente de barbe à papa, animé un mois sur l'histoire des Noirs, effectué des prises de contact avec des organismes venant en aide aux femmes victimes de violences, et j'en passe. Bravo au comité et aux membres qui font preuve d'efficacité et d'hyperactivité contagieuse. Le conseil d'élèves de l'Académie Sainte-Thérèse dans les Laurentides se mérite un prix Vox Populi pour avoir su mobiliser l'école au complet afin de lutter contre le racisme, la pauvreté et la souffrance partout dans le monde. Levée de fonds pour venir en aide au peuple haïtien, campagne de sensibilisation contre le racisme systémique envers les peuples autochtones et une autre pour l'accès universel à de dignes soins de santé. On peut dire que ces jeunes élus s'attaquent au changement de perception. Félicitations!